Au nom de Jésus, nous prions. Père, nous te bénissons pour tes enfants. Merci pour ton peuple. Merci pour cette église. Merci pour notre foi dans le Seigneur. Merci de la façon dont tu nous fais avancer. Seigneur, nous prions que tous membres de cette église, des enfants jusqu'aux adultes, jusqu'aux jeunes, jusqu'aux pères, jusqu'aux mères, je prie que ta bénédiction ne cesse dans aucune vie. De force en force, de puissance en puissance, de guérison à la santé et de la pauvreté à la prospérité au nom de Jésus-Christ. Bénis ton peuple même maintenant et que ta bénédiction continue dans chaque vie. Soutiens tout le monde par ta puissance et garde ta puissance de miracle dans leur vie. Que les besoins de ton peuple soient subvenus au nom de Jésus-Christ. Confirme ta bénédiction dans toute vie. Au nom de Jésus, nous prions. Merci beaucoup. Nous allons à Daniel chapitre 11, 32. Daniel 11, verset 32, la dernière partie du verset 32. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ce dont on a besoin, c'est la connaissance. La connaissance de qui Dieu est, la connaissance de sa puissance, la connaissance de ses promesses, la connaissance de sa bonté. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Nous allons à Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Dieu merci, il y a des croyants ici. En mon nom, ils chasseront les démons et parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Romains chapitre 16, verset 20. Romains. Chapitre 16, verset 20. Ici, nous trouvons ce que le Seigneur nous dit au sujet de cette nouvelle armée. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Donnez-moi un bon amen. Satan sera sous vos pieds. Je vais vous parler en ce temps-ci du secret d'expérimenter les miracles au quotidien. Le secret d'expérimenter les miracles au quotidien. Que chaque jour, pas seulement lorsque vous êtes ici, vous êtes fortifié, vous êtes ici, vous avez l'énergie, la force, la puissance, vous êtes ici, l'onction est sur votre vie et l'onction et les miracles commencent dans votre vie et cela continue, évolue chaque jour. Quel en est le secret? Et écrivez le mot miracle. M I R A C L E S au pluriel. Miracle. Miracle, c'est votre M, votre bouche. Vous gardez, vous contrôlez votre bouche. Parce que miracle ou misère, cela se trouve dans votre bouche. Si vous déclarez la parole de Dieu, la parole écrite, alors, et vous déclarez ce qui va avec ce qui est écrit. Alors, voici ce que Dieu dit qu'il est. C'est ce que je serai. Dieu dit que je suis comme ça, je serai comme ça. La puissance de miracle sera dans votre bouche au nom de Jésus-Christ. Oui, c'est l'instruction. Il vous a donné des instructions à vous de garder ces instructions-là et faire de cela votre compagnon, comme votre frère, comme votre sœur. Vous faites de cette instruction votre compagnon ce qu'il vous a dit. Vous y obéissez à tout moment. Les miracles vont continuer. R, c'est pour la justice. Parce que la Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Alors, comment gardez-vous la puissance de miracle? C'est en gardant votre bouche, vos conversations, votre langue et les paroles de votre bouche de s'accorder à tout moment avec la parole du Dieu vivant. Et puis l'instruction dans la justice, ce qui vous rend puissant,
ce qui vous rend déterminé, ce qui vous rend profitable. La parole de Dieu vous instruit. Lorsque cette parole ne s'éloigne pas de votre bouche, vous l'observez à tout moment, à tout ce qui est écrit. Alors, c'est alors que vous réussirez. C'est alors que vous réussirez dans toutes vos voies. Oui, il y a la justice. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Il y a aussi l'autorité. Il y a l'autorité. Venez sous l'autorité du Seigneur Jésus-Christ, comme l'a dit le centurion. Je suis un homme, le centenier, que je suis un homme sous autorité. Je dis à celui-ci, va, il va. Je dis à celui-ci, viens, il vient. Si vous demeurez sous l'autorité, sous la seigneurie du Seigneur Jésus-Christ, si vous êtes sous l'autorité du contrôle de Jésus-Christ, cela fait que la puissance de miracle coule dans votre vie. Il y a aussi ce qui est le commandement du Seigneur. Vous gardez ce commandement. Vous observez son commandement. Vous pratiquez ce commandement. C'est pourquoi il nous dit en Exode 15. Exode chapitre 15, 26, qui dit, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et prêtez votre oreille, votre attention, votre focalisation à la parole de Dieu, au commandement du Seigneur. Et puis, c'est dit, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Il y a elle aussi qui est borne. Ça se réfère aux bornes de la parole de Dieu. Les colonnes de la parole de Dieu. Les doctrines qui marquent les territoires de la parole de Dieu. Alors, vous gardez ces bornes. On va au Proverbe 22. Proverbe 22. Proverbe 22, verset 28. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Les bornes de la parole de Dieu, vous n'allez pas les renier. Vous n'allez pas les détruire. Vous n'allez pas les placer ailleurs. Vous les gardez, tous les enseignements que le Seigneur nous a donnés. On va au Proverbe 23, verset 10. Proverbe 23, verset 10. Ne déplace pas la borne ancienne et n'entre pas dans le champ des orphelins. Alors, gardez ces bornes. Alors, cela fera couler la puissance de miracle dans notre vie. Proverbe 24, verset 21. Mon fils, crains l'Éternel et le roi, ne te mêle pas avec les hommes remuants. Ne te mêle pas avec les hommes remuants. Il y a votre bouche pour miracle. Il y a écrit pour instruction. Il y a R pour la justice. Il y a A pour l'autorité. Il y a C pour le commandement. Il y a L pour les bornes. Et il y a aussi E pour exemple. Conformez votre vie à son exemple. Alors, si vous voulez expérimenter ce que Jésus a fait, parlez comme lui, vivez comme lui, comportez-vous comme lui et menez votre vie comme il a mené sa vie. On va à 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre 2, 21. 1 Pierre chapitre 2, verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple. Afin que vous suiviez ses traces. Et S, c'est pour les Écritures. C'est ainsi qu'il faut expérimenter. C'est ainsi qu'il faut préserver, maintenir. C'est-à-dire qu'il faut conserver, c'est-à-dire qu'il faut avoir la puissance, l'onction du miracle couler dans votre vie. Que vous menez votre vie en conformité aux Écritures. Jean chapitre 10, 35. Jean 10, 35 qui dit ici,
si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée et si l'écriture ne peut être anéantie. L'écriture ne peut être anéantie. C'est le secret. Vous gardez votre bouche avec votre miracle. Gardez ses instructions. Gardez votre miracle. Gardez la justice. Et puis cela va prolonger votre miracle. Demeurez sous son autorité et gardez votre miracle. Et puis gardez les commandements du Seigneur. Observez les commandements du Seigneur et gardez les bornes. Alors, et gardez son exemple, gardez aux Écritures. Le secret d'expérimenter les miracles au quotidien. Nous allons voir trois points. Premier point, c'est se connecter et se fier en la force du Seigneur. Se connecter et se fier en la force du Seigneur. Numéro 2, c'est s'accrocher et continuer dans le message du Seigneur. Vous vous accrochez au Seigneur, vous restez avec le Seigneur, vous demeurez dans le Seigneur. S'accrocher et continuer dans le message du Seigneur. Et numéro 3, c'est se consacrer et conserver les miracles du Seigneur. Se consacrer. Alors, soumettez-vous au Seigneur et puis vous serez en mesure de conserver les miracles du Seigneur. Numéro 1, quel est le numéro 1? Je dis, quel est le numéro 1? C'est se connecter. Se connecter et se confier en la parole du Seigneur. En la force du Seigneur du moins. Et comment connectons-nous avec le Seigneur? Alors, connectez-vous avec la puissance? Comment la puissance va-t-elle rentrer dans votre vie si vous ne vous connectez pas avec le surnaturel? Comment cela aura lieu dans votre vie? La connexion divine, c'est le secret. Comment expérimenter le miracle? Comment avoir le miracle? Comment conserver le miracle? Comment préserver le miracle? Comment avoir la vie de miracle? Vous vous connectez avec le Seigneur. Deuxième Corinthiens 6, 17. Deuxième Corinthiens 6 et 17. Et c'est pourquoi sortez du milieu. 2. Et séparez-vous du Seigneur et ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Pour que le Seigneur vous accueille, alors pour qu'il vous reçoive, vous devez sortir de la compagnie des méchants. Vous devez sortir des ténèbres. Vous devez sortir du mal. Et c'est dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Ça, c'est la connexion. Vous allez vous connecter. Je dis, vous allez vous connecter. On va à Job 22. La connexion. Job 22. Lisons le verset 23. Et tu seras rétabli, la connexion maintenant, tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, c'est ainsi qu'il faut se connecter avec le Seigneur. Et regardez qui alors il faut faire entrer le Sauveur pour faire sortir les ténèbres. Il faut faire entrer la bonté, il faut faire sortir le mal. Alors il faut faire entrer le ciel et faire sortir l'enfer. Alors, il faut faire sortir la transgression, le mal, la mauvaise conduite, le mauvais comportement loin de votre vie. Et le verset 24 dit, jette l'or dans la poussière. C'est votre année de prospérité. L'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, il dit ton argent, ta richesse. Alors, tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes vœux. Verset 28. À tes résolutions répondra le succès. Vous voyez comment avoir le miracle, comment avoir vos résolutions établies. Comment avoir les promesses de Dieu, oui et amen, dans votre vie. À tes résolutions, répondra le succès. Sur tes sentiers, brillera la lumière.
Cela va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. La connexion. Vous allez vous connecter avec la force du Seigneur. Vous vous connectez avec la puissance du Seigneur. Vous vous connectez avec la puissance, l'autorité de miracle du Seigneur. On va au psaume 91, verset 11. 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge. Alors, il y a une identification personnelle avec le Seigneur. Il est mon refuge, il est ma forteresse. Le mon Dieu en qui je me confie à cause de cette connexion, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Après cette connexion, toute forme de crainte se dissipera de votre vie au nom de Jésus-Christ. Ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Mais je vais le personnaliser maintenant, verset 7. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. Amen. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge au Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Êtes-vous là? Aucun malheur ne t'arrivera. Le jour, la nuit, aucun malheur ne t'arrivera. Au village et en ville, aucun malheur ne t'arrivera. En avion ou bien dans le bus, dans le bateau, aucun malheur ne t'arrivera. Avec les amis, avec les adversaires, avec les ennemis, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, qu'est-ce qui va se passer? Et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Voilà ceci là, verset 16, lisez-le vous-même. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. 1, 2, 3, lisez. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Cela va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. C'est la connexion. À cause de cette connexion, les miracles vont vous accompagner tous les jours de votre vie au nom de Jésus-Christ. Voyons Ésaïe 33. Ésaïe chapitre 33. Dans le verset 24, Ésaïe 33, nous lisons le verset 24. Ici, c'est dit, aucun habitant ne dit, je suis malade. Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Lorsque vous vous connectez avec le Seigneur et que vous vivez dans le pays des prodiges et des miracles, les maladies seront des choses du passé. Les maladies ne vous accompagneront plus à aller à la maison. Elles ne seront plus dans votre corps au nom de Jésus-Christ. Ésaïe 65, verset 24. Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Toute prière que vous ferez à la maison sera exaucée.
toute prière que vous ferez en route, Dieu exaucera. Partout où vous allez, lorsque vous ouvrez la bouche et vous priez, le Seigneur du ciel, le Père du Seigneur Jésus-Christ, qui est devenu votre Père également, le Seigneur vous exaucera au nom de Jésus-Christ. Avant que la main vous, je répondrai, avant qu'il ait cessé de parler, avant qu'il ait cessé de parler, avant qu'il ait cessé de parler, j'exaucerai. Un nouveau jour, point pour vous. Nous allons à Jérémie 33. Jérémie 33. Je lis verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. De grandes choses et des choses cachées que tu ne connais pas. Un nouveau jour apportera de nouveaux miracles dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Deuxième point. S'accrocher et continuer dans le message du Seigneur. Accrochez-vous à cela. Accrochez-vous et continuez dans le message du Seigneur. Voyez le secret des gens qui expérimentent des miracles continuels, des miracles au quotidien, des miracles perpétuels. C'est le fait de s'accrocher au Seigneur. Vous demeurez, vous restez dans le Seigneur. Accrochez-vous au Seigneur et accrochez-vous à lui. On va ne pas oublier ceci. Alors, vous accrochez au Seigneur, à votre Dieu, et chacun de vous deviendra vivant. Alors, vous accrochez au Seigneur. Alors, accrochez-vous au Seigneur. Alors, celui qui s'accroche au Seigneur, vous vivrez jusqu'à ce jour. Deutéronome 10. S'accrocher au Seigneur. S'accrocher ou s'attacher au Seigneur. Et 10 versets. Et 20. Et alors, verset 22. Car si vous observerez l'Éternel et vous accrochez à lui, il est verset 21. Et il est votre Dieu, il s'accrochera à vous. C'est lui qui a fait des choses terribles que vos yeux ont vues. 10, verset 21, verset 22 maintenant. Tes pères descendirent en Égypte au nombre de 70 personnes. Et maintenant l'Éternel, ton Dieu, a fait de toi une multitude pareille aux étoiles des cieux. Vous deviendrez une multitude au nom de Jésus-Christ. Deutéronome 11. Accrochez-vous au Seigneur. C'est le secret de maintenir le miracle. De garder le miracle. De préserver ce miracle. Chapitre 11, verset 22. Car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris, et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel, votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui, pas de séparation avec le Seigneur, pas de rétrogradation, pas de divorce, pas d'apostasie, pas de rétrogradation. L'Éternel chassera devant vous toutes ces nations et vous vous rendrez maître de nations plus grandes et plus puissantes que vous. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre frontière s'étendra du désert au Liban et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Ce sera ainsi au nom de Jésus-Christ. Alors, comme vous vous accrochez au Seigneur, comme vous vous attachez à lui, 25, nul ne tiendra contre vous. Aucun homme occultiste ne se tiendra contre vous. Aucun homme magicien, aucun idolâtre ne se tiendra devant vous. Aucun homme d'amulette ne se tiendra contre vous au nom de Jésus-Christ. L'Éternel, votre Dieu, répandra, comme il vous l'a dit, la frayeur et la crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez. Chapitre 13, accrochez-vous au Seigneur, attachez-vous à lui, accrochez-vous au Seigneur. Chapitre 13, verset 1, verset 1, Deutéronome 13, verset 1. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux »,
des dieux que tu ne connais point et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve. Le Seigneur vous examine pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel votre Dieu et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et dites-moi le reste, dites-le-moi à haute voix et vous vous attacherez à lui. Faites-le comme si vous allez le faire et vous vous attacherez à lui. Et ce prophète ou ce songeur sera puni de mort car il a parlé de révolte contre l'Éternel votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude. Et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes comme toi-même, t'incite secrètement en disant « Allons et servons d'autres dieux, des dieux que ni toi ni tes pères n'avaient connus, d'entre les dieux des peuples qui vous entourent, près de toi ou loin de toi, d'une extrémité de la terre à l'autre. Tu n'y consentiras pas. » Cela veut dire que vous n'allez permettre à aucun homme, à aucune femme, aussi intime que la personne soit avec vous, de vous faire divorcer avec le Seigneur, de vous faire vous détacher du Seigneur, de vous faire rétrograder. Tu n'y consentiras pas et tu ne l'écouteras pas. Tu ne jetteras pas sur lui un regard de pitié, tu ne l'épargneras pas et tu ne le couvriras pas. Nous allons nous attacher au Seigneur jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ. Josué, chapitre 23. Josué, chapitre 23, verset 8. Josué 23, 8. Mais attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour, comme vous l'avez fait en demeurant dans la part du Seigneur, en demeurant sous la protection du Seigneur, en demeurant sous l'autorité de sa parole, en obéissant au commandement de sa bouche, et jusqu'à ce jour, attachez-vous à l'Éternel, accrochez-vous à lui, et personne jusqu'à ce jour n'a pu vous résister. Comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour, l'Éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes, verset 9. Et personne jusqu'à ce jour n'a pu vous résister. Un seul d'entre vous en poursuivait mille. Je dis un seul d'entre vous en poursuivait mille. Car l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous. À condition que vous demeuriez en lui, à condition que vous continuiez avec lui, à condition que vous attachiez au Seigneur. C'est-à-dire que l'Éternel, car l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous, comme il vous l'a dit. Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Vous allez demeurer dans sa parole au nom de Jésus-Christ. Vous avez vu ce qu'il a dit dans l'Ancien Testament? À demeurer dans le Seigneur, continuez avec le Seigneur, accrochez-vous au Seigneur. Allons au Nouveau Testament, on va à Jean 8. Jean chapitre 8. Le secret d'expérimenter des miracles au quotidien, de préserver vos miracles au quotidien, de continuer en permanence et mener en permanence une vie de miracles. Jean 8.
Verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez, c'est ça. Si vous demeurez, vous êtes repenti. Si vous demeurez, vous avez reçu Jésus comme votre sauveur personnel. Si vous demeurez, vous êtes sanctifié et rendu saint. Si vous demeurez, vous avez votre foi en Dieu et votre foi est en mesure de faire déplacer toute montagne. Si vous demeurez, alors vous appréciez la parole de Dieu, vous aimez la parole. Si vous demeurez, vous acceptez la parole de Dieu, que voici la mienne. Et il m'a parlé directement. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et cette vérité vous affranchira et vous demeurerez affranchis au nom de Jésus-Christ. Demeurez et je demeurerai. Je vais demeurer dans le Seigneur. Chacun de nous va demeurer dans le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Et la puissance miraculeuse de Dieu continuera avec nous au nom de Jésus-Christ. Jean chapitre 15. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Ça, c'est s'attacher au Seigneur, à s'attacher à son message. Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et comme si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Demeurez dans mon amour. Nous allons demeurer au nom de Jésus-Christ. Actes des apôtres. Actes des apôtres, chapitre 2, là-bas. Nous allons voir deux versets. Je veux que vous joigniez ces deux versets dans votre mémoire, dans votre esprit. C'est joint ensemble dans la Bible que l'homme ne sait pas parce que Dieu a joint. Il ne faut pas les séparer, c'est joint ensemble. Actes 2 et verset 42, ils persévéraient, ses disciples s'est convertis, ils persévéraient, ses croyants. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voyons ce qui suit. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Avec la persévérance, avec la continuation de la parole de Dieu. Le fait de demeurer dans la parole, vivre selon la parole chaque jour de notre vie. Cela fera la faveur de Dieu, la bonté du Seigneur, la puissance du Seigneur de continuer dans notre vie. Chaque jour de votre vie sera un jour de miracle au nom de Jésus-Christ. Je dis, ce sera un jour de réveil dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Le jour, aussi bien que la nuit, il y aura des miracles pour vous. Chaque jour, des miracles pour vous. Chaque semaine, des miracles pour vous. Cela ne va jamais cesser dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Actes, chapitre 11, 21. Actes 11, 21. La main du Seigneur était avec eux. Et un grand nombre de personnes crurent. Et se convertir au Seigneur. Un grand nombre de personnes crurent et se convertir au Seigneur. Voyons ce qui suit verset 23. Lorsqu'ils furent arrivés et qu'ils eurent vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester, prêter attention et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, prêter attention, attaché au Seigneur. Avec le cœur ferme, parce que vous savez ce que vous cherchez, parce que vous voulez la puissance de Dieu de demeurer et d'être en vous, avec le cœur ferme, vous allez vous attacher toujours au Seigneur. Et 1 Timothée chapitre 4, premier, continuez de vous attacher au Seigneur, continuez de demeurer dans sa parole, 1 Timothée 4 et verset 5, 15. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour toi-même. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses.
persévère dans ces choses chaque jour. Regardez la parole, lisez la parole, méditez la parole. Et menez votre vie avec la parole. Corrigez votre vie avec la parole. Persévérez dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Accrochez-vous, Seigneur, continuez avec son message. Et deuxième, Timothée, 2 Timothée 3, verset 14. Toi demeure. Vous voyez, les autres peuvent rétrograder, mais vous n'allez pas rétrograder. Et les autres pourraient retourner en arrière, vous n'allez pas retourner. Et les autres pourraient même divorcer avec le Seigneur, aller à une cour de justice et dissoudre le mariage avec le Seigneur. Et quoi que le Seigneur ait pris sur des choses, ces gens ne continuent pas de s'attacher au Seigneur. C'est ainsi qu'on voit certains maris, certaines femmes. Ils s'aiment. Un jour, c'est sa femme qui ira au tribunal voulant dissoudre le mariage, ou bien c'est l'homme, ou bien je vais divorcer avec ma femme. Alors, il faut vous attacher, vous accrocher à votre femme, à vous accrocher à votre mari et demeurer toujours avec le Seigneur jusqu'à l'enlèvement. Vous allez rester avec le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Je ne vais pas rétrograder. Je dis, moi, je ne vais pas rétrograder. Il faut le dire pour vous-même, je ne vais pas rétrograder. Je ne vais pas me séparer d'avec le Seigneur. Voyez encore cela, 3:14. Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnu certaines, sachant de qui tu les as apprises. Numéro 1, vous allez vous connecter avec la force du Seigneur et vous confier en la force du Seigneur. Numéro 2, vous allez vous accrocher au Seigneur et vous continuez dans le message du Seigneur. Numéro 3, c'est se consacrer et conserver les miracles du Seigneur. Se consacrer et conserver les miracles du Seigneur. Vous savez, si vous voulez faire quelque chose, il faut chercher celui qui l'a déjà fait. Tu lui dis, mais montre-moi la voie, comment l'as-tu fait? Et lorsque vous empruntez la voie, alors vous serez en mesure de faire cela. Et nous allons le faire au nom de Jésus-Christ. Et si nous disons que la puissance de miracle, la puissance de miracle de Dieu soit conservée dans votre vie, soit gardée dans votre vie, et demeure, soit permanente en vous, alors vous allez vous demander, y a-t-il des gens qui ont expérimenté la puissance de miracle de leur vie depuis le jour qu'ils ont connu le Seigneur jusqu'à la fin de leur vie? Je vais trouver, si je peux les trouver, est-ce que je peux emboîter leur pas? Que chacun dise miracle. Aidez-moi à écrire ceci, aidez-moi et aidez-vous-même aussi, miracle. Miracle encore, vous allez écrire cela de façon verticale. M-I-R-A-C-L-E-S. Donnez-moi, quel est le mot là? Miracle. Pourquoi certains comme vous et moi, ayant la chair et le sang comme vous et moi, des gens qui sont de même nature que nous, dès qu'ils se connaissent avec le Seigneur, ils se confient au Seigneur, ils s'attachent au Seigneur, ils continuent dans le Seigneur, et la puissance de miracle ne cesse jamais dans leur vie. Je vais vous montrer le secret. Et ce secret est à vous à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Aime un homme comme Moïse. Aime pour Moïse. I, c'est pour Esaïe. Il y a Esaïe. Il y a R pour les Récabites. Les Récabites. Il y a A pour Abraham. Il y a A pour Abraham. Il y a C pour Caleb. Il y a C pour Caleb. Il y a L pour Luc. Il y a E, il y a pour Élie. Et S pour la femme Tsunamite. La Tsunamite, si vous pouvez trouver. Et au sujet de ces personnes que j'ai épelées, avec qui épelle le mot miracle. Et chaque moment, vous suivez, vous emboîtez les pas de ces gens-là. Et de ces femmes aussi,
et qui ont la puissance de miracle de Dieu en permanence dans leur vie et qui continuent dans leur vie. Et si vous pouvez retrouver ce qu'ils ont fait et quelle attitude a-t-il adopté, la même puissance de miracle va se pérenniser dans votre vie au nom de Jésus-Christ. M. Pour, qui est pour M? Dites-le moi. M. Qui est-il? On va aux Hébreux. Hébreux chapitre 11, verset 24. C'est par la foi que Moïse est devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. C'est le secret. Que vous abandonniez, que vous renonciez à la pression du péché et que vous choisissiez de vous identifier et d'être avec le peuple de Dieu, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Soulignez cela dans votre Bible. Comme voyant celui qui est invisible. Lorsque la maladie se présente, il ne faut pas voir la maladie, il faut le voir comme celui qui est invisible. Lorsque les ennemis se présentent, il ne faut pas les voir, il faut voir celui qui est invisible. Lorsque la pauvreté se présente, il ne faut pas méditer sur la pauvreté, il faut voir celui qui est invisible. Lorsque les défis se présentent, ne les regardez pas comme Moïse, il faut voir celui qui est invisible. Et les miracles vont se présenter dans votre vie chaque jour, chaque semaine, chaque mois, tout le reste de vos années au nom de Jésus-Christ. Il y a aussi là-bas pour Isaac. 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 Je vais à Genèse. Genèse 22, verset 22. Comment la puissance de miracle va continuer dans votre vie. Genèse 22, verset 7. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit: « Mon père. » Et il répondit: « Me voici, mon fils. » Isaac reprit: « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? » Abraham répondit: « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. » Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Je ne peux pas le voir, mais Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Je n'ai même pas entendu le bêlement de l'agneau là. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Puis Isaac s'est confié en cela. Point final. La parole de Dieu amène le point final dans sa vie. La promesse de Dieu a amené le point final à toutes les questions. Il n'y a plus de questions, il n'y a plus d'interrogations. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Je ne l'ai pas vu, mais Dieu va pouvoir. Je ne me gêne pas, Dieu pourvoira. Je ne me gêne pas, Dieu pourvoira. Je ne le sens pas, Dieu pourvoira. Lorsque vous avez cette foi d'Isaac, que la parole de Dieu a amené un point final dans votre vie. Il n'y a plus de questions. Il y aura Jéhovah géré dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Verset 14. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah géré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui: à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Vous le verrez. Vous le verrez. Il y a R qui sont R. R est pour qui? Dites-le moi à haute voix, c'est pour les récabites. C'est-à-dire que vous aurez les miracles dans votre vie. Les récabites. Jérémie 35, je lis verset 5. Jérémie 35, verset 15. Verset 5. Jérémie 35, 5. Je mis devant les fils de la maison des récabites des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis: buvez du vin. Voici Jérémie qui a été envoyé à la maison des récabites, et Jérémie était un prophète réputé, un homme de Dieu honoré, une personnalité très réputée, et il était un homme d'honneur dans le secteur religieux dans le pays. Et cet homme d'honneur est venu dire que regardez, et buvez du vin.
Regardez ce que les Rechabites ont fait. C'est ainsi qu'il faut garder la puissance du miracle. C'est ainsi que les Rechabites ont gardé la présence du Seigneur, les promesses du Seigneur, les prophéties du Seigneur dans leur vie. Voyez ce qui est dit, verset 6. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Rechab, notre père nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Vous n'allez pas permettre à la posture, à la position d'un homme, à la stature d'un homme, à la posture d'une femme, la stature d'une femme, de vous dissuader de votre conviction, ou bien de supprimer votre conviction. Vous êtes l'un des Rechabites. C'est ainsi que la puissance de Dieu, c'est ainsi que l'onction de Dieu va continuer dans votre vie. Verset 8. Nous obéirons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Rechab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie, nos femmes, nos fils et nos filles. Et puis, on a vu la bénédiction de Dieu sur leur vie. Et verset 18. Et Jérémie dit à la maison des Rechabites, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab, votre père. Parce que vous avez observé tous ses commandements et fait tout ce qu'il vous a prescrit. À cause de cela, ainsi parle l'Éternel des armées. Le Dieu d'Israël, Jonadab, fils de Rechab, ne manquera jamais, ne ratera pas, ne manquera jamais de descendants qui se tiennent en ma présence. A pour Abraham, A pour Abraham, A pour Abraham, on va aux Romains. Vous voulez avoir cette vie de miracle jusqu'à ce que vous arriviez à 100 ans, même au-delà de 100 ans, chaque jour de votre vie. Voici le secret. Voici le secret. Romains 4, verset 16. Romains 4, verset 16. Romains 4, 16. Ici nous dit, verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père, à tout selon qu'il est écrit. Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts, et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Comment la puissance va-t-elle continuer dans votre vie? Alors, c'est appeler les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Vous n'avez pas encore vu le miracle, mais appeler les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Vous êtes marié, c'est comme il n'y a pas d'enfant physiquement, mais vous avez déjà le fils ou l'enfant miracle. Qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Toutes les promesses de Dieu, alors vous les comptez en réalité pratique dans votre vie. Et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant, verset 19, et sans faiblir dans la foi, et il ne considéra point que son corps était déjà mort, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. N'allez pas considérer la chose est morte, la chose est, on se voit animé. Il ne douta point par, incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Il y aura un accomplissement dans votre vie au nom de Jésus-Christ. C'est pour qui maintenant? Dites-le-moi à haute voix, c'est pour Caleb, c'est mon homme, c'est mon grand frère, c'est votre frère. Alors il faut parler avec Caleb, vous allez parler de la même manière au nom de Jésus-Christ. Nombre 13, 30, c'est le secret d'expérimenter des miracles au quotidien dans votre vie. Parlez comme
Caleb, lorsque les autres disent que nous sommes comme des sauterelles, nous sommes faibles, nous sommes petits, nous sommes négligeables, nous sommes marginalisés, nous sommes des gens accablés de problèmes, parlez comme Caleb. Caleb, Nombre 13, 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Nous y serons vainqueurs. Y a-t-il des gens capables de vaincre? Vous êtes capables de vaincre au nom de Jésus-Christ. C'est nous qui allons entrer dans le pays là. Je dis, vous allez entrer dans le pays là. Et Dieu vous gardera pour des décennies sur décennies au nom de Jésus-Christ. Il y a elle pour Luc. Elle. Pour qui? Pour Luc. Pourquoi nous disons qu'elle est pour Luc? Oui, Luc. Avec une connaissance que plusieurs de ses collègues n'en avaient pas. C'est une connaissance qui pourrait l'empêcher pour des miracles. Parce qu'il était un médecin. Parce qu'il était un médecin, un docteur, pour certains, à cause de ce qu'ils connaissent, ou ce qu'ils connaissent des microbes, de leurs virus, et quand ceci se passe, parce qu'il est arrivé, cette pathologie va à cette première étape, deuxième étape, s'il regrette transhumant, la personne va mourir. Alors, ils permettent à la connaissance médicale de les empêcher. Mais Luc était un bien-aimé médecin. Regardez ce que Luc a dit. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Il a permis à la connaissance surnaturelle, spirituelle, céleste, la communication divine, de triompher de toutes les connaissances qu'il a connues dans ses études. Luc 1, verset 37. Car rien n'est, dites-le-moi, car rien n'est impossible à Dieu. Lorsque vous permettez à la connaissance scripturaire de triompher de la connaissance mentale, toute la connaissance que vous avez par le sens, les connaissances sensorielles, les connaissances par l'ouïe, par l'odorat, par le goût, vous permettez aux connaissances scripturaires d'engloutir aux connaissances sensorielles et que vous soyez en mesure de dire que malgré toutes vos connaissances, que le bien-aimé, comme à l'instar de Luc, que vous soyez en mesure de dire que car rien n'est impossible à Dieu. Et Luc, c'est lui qui a écrit les Actes des apôtres. Voyons ce qu'il a écrit en Actes 10. Et alors, il a donné toute la gloire à Dieu, il a donné toute la puissance, toute l'autorité à Christ. Et il a, c'est vraiment un grand docteur, un grand médecin. En Actes 10, 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant combien de personnes. Luc a dit, et il a guéri tout, pas il a guéri certains, et a laissé le reste pour nous de traiter. Il y a certains que Jésus n'a pas pu traiter. Alors il doit laisser le reste pour nous qui sommes médecins. Non, non. Luc a dit que voici ma foi. Voici ma conviction. Voici le pourquoi j'écris. Il a écrit ceci à Théophile dans le Seigneur. Et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Maintenant, Élie. Ce que nous disons, c'est que si vous pouvez amener votre attitude, votre foi, votre focalisation, votre confiance de s'aligner avec celle de Moïse, avec celle de Isaac, avec celle des Récabites, tu t'alignes avec celle d'Abraham et que tu fais ta foi, ta focalisation, ta fidélité s'aligner avec celle de Caleb, à celle de Luc, à celle d'Élie, chaque jour, même aujourd'hui, sera un jour de miracle dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Deuxième roi, et voyons, Élisée maintenant, deuxième roi 6, voyons Élisée maintenant, deuxième roi 6, verset 13, deux rois 6, 13, et le roi dit, allez voyez où il est, et je le verrai prendre. On vint lui dire, voici il est à Dothan.
il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous ?» Verset 16. Il répondit, « Ne crains point. » Que tout le monde dise, « Ne crains point. » Il faut le dire à haute voix, « Ne crains point. » Regardez la personne à côté de vous et dites la personne face à face, dites à la personne, « Ne crains point. » Regardez l'autre côté et dites à la personne, « Ne crains point. » Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Lorsque vous pouvez dire cela, à tout moment, la maladie est là, l'oppression est là, les ennemis se soulèvent, une troupe d'armées, une troupe de soldats se soulève contre vous. Voilà les gens, vous les racontez dans le rêve, ils disent qu'ils vont faire ceci, cela. Tu te lèves, tu dis que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Les miracles ne sont pas loin de vous. Je dis, les miracles ne sont pas loin de vous. Aime, c'est pour qui? Aime pour qui? Dites-le-moi. Pour Moïse. Et pour qui? Pour Isaac. Et elle pour qui? Pour les Récabites. Et A pour qui? Dites-le-moi. Abraham. C'est pour qui? C'est pour Caleb. Elle, c'est pour qui? C'est pour Luc. Et E, c'est pour qui? C'est pour Élisée. Et S, c'est pour qui? C'est la Tsunamite, la femme Tsunamite. C'est celle qui a dit que tout va bien. Que c'est bien. Je regarde à cette direction, je dis tout va bien. Partout, je me tourne, je dis, tout va bien. Et je te regarde là-bas, je dis, tout va bien. Et puis, il y a quelque chose qui vient ici, quelque chose vient ici. Il y a un vent qui souffle ici. Et je dis, ne t'en fais pas. Dites-le-moi encore, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien tous les jours de votre vie au nom de Jésus-Christ. Deuxième roi 4. Je lis verset 22, 2 Roi 4, 22. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. » Elle répondit, et qu'est-ce que vous allez dire? Tout va bien. Il n'y a pas d'argent, mais ne t'en fais pas, tout va bien. Comment tu te sens dans le corps? Ne t'en fais pas, tout va bien. Et ta santé, tout va bien. Et ta vision, tout va bien. Ton ouïe, tout va bien. Et tes pieds, tout va bien. Et ta fille dont tu m'as parlé, tout va bien. Et ton fils, tout va bien. Et ton lieu de travail, j'ai appris qu'on licencie les gens, mais qu'il y a numéro 1, numéro 2, 3 sont partis. On ne sait pas qui sera la suivante. Mais je dis, tout va bien. Mais tu dis, tout va bien. Tout va bien dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Puis elle fit saler l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette Tsunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? » Elle répondit bien. Je dis, c'est bien. Comment vous portez aujourd'hui? C'est bien. Je dis, comment vous vous portez aujourd'hui? Comment votre corps? C'est bien. Comment le CRA, c'est bien? Comment le cancer, tu vas bien? Comment la tuberculose, tu vas bien? Et la mort prématurée, tu vas bien? Comment la pauvreté, tu vas bien? C'est bien. Je dis, c'est bien.
de votre tête jusqu'au bout de vos orteils. Tout va bien au nom de Jésus-Christ. Il y a M pour Moïse, I pour Isaac, R pour Rechabit, A pour Abraham, C pour Caleb, L pour Luc, E pour Élisée, S pour la Tsunamite. Tout va bien avec moi. Tenez-vous debout et déclarez ce sera. Tout va bien avec moi. Tenez-vous debout et déclarez-le. Tout va bien. Tenez-vous debout et déclarez-le. Tout va bien. C'est le secret de miracle tous les jours de votre vie. Tous les jours de votre vie. Tous les jours de votre vie. Parlez au Seigneur. Parlez au Seigneur. Regardez celui qui est invisible. Regardez celui qui est invisible. Et que la prophétie apporte un point final aux interrogations, que les promesses de Dieu apportent un point final. Jéhovah Jireh, Dieu sera en mesure de pouvoir les récapituler. Gardez les promesses de Dieu comme les récapituler. Le Seigneur dit, il n'y aura pas de peste dans votre vie, il n'y aura pas de limitation dans votre vie, il n'y aura pas de manquement dans votre vie. Les miracles chaque jour, partout, les miracles chaque jour. Parce que vous êtes comme cet Isaac-là, comme les récapitules, qui emboîtent les pas de la parole de Dieu en vivant par la parole de Dieu chaque jour de votre vie. Comme Abraham, qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, qui appelle les choses comme si elles étaient, les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alors, il faut déclarer les choses avant de voir. Alors, déclarer, appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et sans faiblir dans la foi, il est fort, il savait, et pleinement persuadé que notre Dieu est capable. Ne t'en fais pas de la condition de ton corps. Notre Dieu est capable, ne t'en fais pas. Et ne te soucie pas de la condition de ta femme. Notre Dieu est capable. Il faut voir Caleb. Soyez comme Caleb. Allez-vous parler comme Caleb. Il faut confesser comme Caleb. Il faut communiquer comme Caleb. Et montons, parce que nous serons vainqueurs. Et je ne suis pas sauterelle. Mes ennemis ne sont pas des géants. Ils sont pour nous une pâture. Je suis capable. Je suis capable. Je suis capable. Que la capacité divine s'établisse en vous. Que cela vous incite. Vous êtes capable. Comme Luc, ne permettez pas à la connaissance mentale, ne permettez pas à la connaissance scientifique que cela n'engloutisse pas votre connaissance scripturaire. La connaissance du Seigneur. Comme Élisée, je crois, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Comme la femme tsunamite, tout va bien, tout va bien, tout va bien. À partir de ce jour, croyez au Seigneur. Les miracles et les signes et les prodiges. Et je suis candidat de miracles chaque jour. Je suis candidat du surnaturel chaque jour. Ceux qui connaissent les dieux agiront avec fermeté. Je connais Dieu. Je connais sa puissance. Je connais ses promesses. Je sais qu'il ne peut pas échouer. Et il ne va pas échouer. Il le fera. Il fera ce qu'il a dit. À l'instar de Moïse et d'Isaac, comme les Rechabites et Caleb, Abraham, Luc et Tsunamite, je sais que tout va bien. Au nom de Jésus, nous prions. Et que le peuple de miracles de Dieu dise Amen. Déjà, vous avez le miracle. Tout ce que vous désirez est à vous déjà au nom de Jésus-Christ. Votre vie spirituelle est meilleure aujourd'hui. Votre profession est plus élevée aujourd'hui. Votre vie familiale est plus gracieuse aujourd'hui. Votre futur, à partir d'aujourd'hui, ira de bon au meilleur au nom de Jésus-Christ.
L'onction de Dieu ne va jamais cesser dans votre vie. La puissance de miracle de Dieu ne va jamais cesser dans votre bouche. Cela va continuer perpétuellement dans votre vie, tous les jours de votre vie, au nom de Jésus-Christ. Je me réjouis avec vous parce que je sais que vous êtes bénis. Et Dieu va continuer de vous bénir toute votre vie au nom de Jésus-Christ. Levez les mains là. Levez les mains. Et selon cela est confirmée la puissance de miracle de Dieu sur vous. Père, au nom de Jésus, nous bénissons ton nom pour ta bonté. Nous te remercions parce que tu as dit de bonnes choses sur chaque frère, sur chaque sœur, sur chaque enfant, sur chaque étudiant, sur chaque jeune. Je prie que toutes ces bonnes paroles que tu as proférées sur chacun soit accompli au nom de Jésus-Christ. Seigneur, le passé est enterré. Le passé est totalement ôté. Le passé est oublié. Je prie que ceux qui n'ont jamais joui de miracle, je prie qu'en ce temps-ci, j'envoie le miracle dans leur vie au nom de Jésus-Christ. La paix de Dieu dans votre âme. Que la pureté du Seigneur soit dans votre cœur. Et que la puissance du Seigneur vienne sur votre esprit au nom de Jésus-Christ. Votre portion ne sera pas celle des gens du monde. Les maladies d'Égypte ne viendront pas sur vous. La folie, je te commande de quitter là au nom de Jésus-Christ. Et tout le dérangement, l'oppression, quelque chose vous opprime, quelque chose circule dans le corps et il n'y a plus de place pour cela. Ça, c'est le temple du Dieu Tout-Puissant. Et je commande que ces puissances maléfiques et ces oppresseurs de plier leurs bagages et de quitter au nom de Jésus-Christ. Et qu'il y ait une bonne vision pour tout le monde, une bonne vision pour tout le monde, une bonne révélation pour tout le monde, une bonne domination pour tout le monde. Je prie qu'il ait la guérison totale, qu'il ait la santé totale, avec la sainteté, avec la pureté. Accorde cela à tout le monde au nom de Jésus-Christ. La victoire sur victoire, la domination sur domination, la joie éternelle dans votre vie. Seigneur, je prie toutes les faiblesses que cela soit totalement ôté et que le peuple de Dieu, comme ils sortent maintenant, comme ils vont à la maison, je couvre le sang de Jésus, je les couvre du sang de Jésus. Je prie qu'aucun mal n'arrive à personne au nom de Jésus-Christ. Qu'il ait des témoignages dans la bouche de chaque frère, des témoignages dans la bouche de chaque sœur, dans la bouche de chaque fils, de chaque fille au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse l'œuvre de votre main. Si vous étiez inquiet, alors essuyez vos larmes. Maintenant, voici l'air, la période de joie qui est venue pour tout le monde au nom de Jésus-Christ. Les miracles sur vous. Comme Moïse est venu devant Pharaon, que les miracles viennent sur vous au nom de Jésus-Christ. Comme miracle, comme Isaac a prospéré à Gérard, qu'il ait des miracles de prospérité sur vous au nom de Jésus-Christ. Comme la faveur de Dieu continue avec les Récabites, que la faveur, les miracles du Seigneur continuent avec vous tous les jours de votre vie, le jour, la nuit, au village, en ville, partout où vous vous trouvez, que les miracles du Seigneur soient sur vous au nom de Jésus-Christ. Comme Dieu a multiplié Abraham, comme Dieu a prospéré Abraham, comme Dieu lui a dit que ses enfants seront comme le sable de la mer et comme les étoiles du ciel. Qu'il y ait la multiplication pour vous, la multiplication pour vous, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, Caleb a dit que 45 ans que Moïse l'a envoyé, aujourd'hui, il est aussi fort qu'il était 45 ans passés. Je prie que la force du Seigneur, que la force du Seigneur, que la puissance du Seigneur, la santé, la guérison parfaite, ce qui est venu sur Caleb, que cela vienne sur vous au nom de Jésus-Christ. Comme Lucas a rendu son témoignage, que rien n'est possible à Dieu, je prie que la faveur de Dieu soit sur vous. Que toute chose soit dans votre famille. Toute chose soit dans votre lieu de travail. Que partout où vous allez, que tout soit possible pour vous au nom de Jésus-Christ. Aucune montagne ne vous empêchera. Aucun fleuve ne vous empêchera. Aucun ennemi ne vous empêchera. Aucune circonstance dans cette vie n'empêchera votre progrès au nom de Jésus-Christ. Comme l'armée du Seigneur était autour d'Élie, soit autour de vous. Alors, celui qui est en vous est plus grand. Le ciel, la puissance du ciel est grande en vous et que cela vous protège tous les jours de votre vie au nom de Jésus-Christ. Même après
que Élisée a fini son ministère terrestre, qu'il a été enterré et que un cadavre était jeté dans son cadavre et cela personne a ressuscité. Je prie que quiconque vous touche ressuscite. Que votre mari qui vous touche ressuscite, votre femme qui vous touche ressuscite, que vos enfants qui vous touchent reçoivent leur miracle, que le miracle coule de votre corps au nom de Jésus-Christ. Comme la femme, comme la tsunamite a confessé, je prie que cela soit la confession de tout le monde. Quand vous êtes ici, tu iras bien avec vous. Dans le bus, tu iras bien avec vous. En route, tu iras bien avec vous. Lorsque vous irez au lieu de travail, tu iras bien avec vous. Toute bonne chose qu'on décide là où vous travaillez, tout sera à vous au nom de Jésus-Christ. Votre témoignage à tout moment sera « tout va bien ». Votre témoignage sera à tout moment « tout va bien ». Dites-le-moi « tout va bien ». Dites-le-moi à haute voix « tout va bien ». Que le Seigneur vous entende « tout va bien ». Que Satan entende que « tout va bien ». Que votre famille l'apprenne que « tout va bien ». Et « tout va bien ». Tout va bien avec vous au nom de Jésus-Christ. Toujours en avant, jamais en arrière. Toujours en haut, jamais en bas. Que le Seigneur vous amène à ce territoire de miracle tous les jours de votre vie au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous prions. Et que tout le monde dise. Et que tout le monde dise. Dites à quelqu'un là-bas que tout va bien.